Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre « Les équations différentielles ». Au cours de cette première séance, on va étudier la première partie de ce chapitre. On commence alors par le premier paragraphe de ce chapitre. Grand 1 alors, équation différentielle linéaire du premier ordre. On passe à la première activité, soit la fonction f définie sur r par f du x égale à exponentielle 2x, on vous demande tout d'abord de déterminer une relation entre f et f', la dérivée de f. Puis, on va justifier que les fonctions g et h définies sur r par g de x égale racine de 3 exponentielle de x et h de x égale moins un cinquième exponentielle de x vérifient la même relation trouvée dans la première question. Enfin, on va montrer qu'il existe une infinité de fonctions définies dérivables sur r qui vérifie la même relation trouvée dans la première question. Bien sûr, ici, une petite indication avant de passer à la correction de l'activité. Pour la première question, donc il suffit de calculer la dérivée de f. N'oublions pas que la forme de f de x est de la forme exponentielle u, et la formule exponentielle de u' égale u' exponentielle u. Puis on cherche une relation qui lie f et f'. Même chose pour la deuxième question. Pour la troisième question, alors, on doit, à partir des deux premières questions, conjecturer une fonction qui vérifie la même relation trouvée dans la première question, puis on démontre notre conjecture. On passe alors à la correction de l'activité. Donc, pour la première question, la fonction f est bien sûr dérivable sur R, et pour toute réelle x, f' de x égale 2 exponentielle 2x. C'est clair ici que. Le, le f euh, apparaître, voilà. C'est clair que le f apparaître ici, donc c'est égal à 2 fois f de x. Et par suite, donc on en déduit que f prime 2 f. Et voilà donc la relation qui lie f à f. Maintenant, on va vérifier dans la deuxième question que les fonctions g et h vérifiant la même relation euh, vérifient pardon, la même relation que que f entre f et f entre g et g donc euh, on va faire le calcul rapidement, donc même chose, les fonctions g et h sont aussi dérivables sur R, et pour toute réelle x, on a donc g' de x égale 2 racine de 3 exponentielle 2x, et voilà donc la fonction g, par conséquent égale 2g de x, et de même h' prime de x égale moins 2 cinquième exponentielle 2x, et voilà donc la fonction h, est par conséquent donc égale 2h de x, on en déduit alors que g' égale 2g et h' égale 2h. Pour maintenant la troisième question. Comme j'ai dit, donc, à partir des deux premières questions, on, on peut conjecturer que les fonctions fk définies sur r par fk de x égale à k exponentielle de x où k est un réel, donc ici c'est r, où k est un réel, Vérifie la même relation trouvée dans la première question. En effet donc on va démontrer ça, euh, c'est très simple, donc il suffit de vérifier que la dérivée de fk égale à 2 fois fk. Donc euh, soit k un réel donné, euh, les fonctions fk aussi, elles sont tous dérivables sur r. Et pour toute réelle x, on a f'k de x égale 2k exponentielle 2x. Même chose, voilà donc euh, la fonction fk. Égale donc 2fk de x. On en déduit alors que f k égale 2 f'k égale 2fk. Et puisque k est un réel, on a, on a dit ça au début, et dans R il y a une infinité de nombres réels, donc il y a une infinité de fonctions fk, donc voilà, et, et, pardon, il y a une infinité de fonctions, c'est-à-dire, voilà, il existe une infinité de fonctions définies et dérivables sur R qui vérifient la même relation trouvée dans la première question. On passe maintenant à la définition. On va définir donc euh, qu'est-ce qu'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. Donc euh, soit A un réel, et lorsqu'on dit au début soit A un réel, c'est-à-dire A est un réel donné, hein, fixé au début. Alors euh, on appelle équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant une équation de la forme Y' égale à y, où l'inconnu y est une fonction. Et voilà le nouveau ici. Donc, notre inconnu n'est plus un réel ou un complexe comme d'habitude, mais ici, notre inconnu, c'est une fonction. Donc, lorsqu'on dit y', prime, on veut dire par ça la dérivée de la fonction. Donc, on dit une équation différentielle du premier ordre, c'est-à-dire la dérivée première. Alors, la dérivée première de la fonction égale à A, et voilà, A c'est le coefficient constant, comme on a dit, à coefficient constant. Et euh, du premier ordre, donc, comme j'ai dit précédemment, donc une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, et bien sûr on dit que c'est une équation différentielle linéaire pour, euh, pour, euh, pour cette forme, y' égale à y. Donc notre inconnu, c'est une fonction qui vérifie la dérivée de la fonction égale à a fois la fonction. Résoudre maintenant, euh, pardon, résoudre maintenant voilà, une telle équation dans R, c'est trouver toutes les fonctions. Attention ici, on doit chercher toutes les fonctions qui sont définies dérivables sur r, vérifiant y prime égale à y. C'est-à-dire, on va chercher toutes les fonctions qui sont dérivables sur r, telles que leur dérivée égale à a fois la fonction. À titre d'exemple, les fonctions de l'activité 1, alors ici, la fonction qui a x associé, hein, ici, euh, exponentielle 2x, et x qui associe racine de 3 exponentielle 2x, et x qui associe moins 1 cinquième exponentielle 2x, celle-là, c'est la fonction f de l'activité 1, celle-là, c'est la fonction g, et celle-là, c'est la fonction h. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la première activité On a trouvé que f' égale à 2f, g' égale à 2g, h' égale à 2h, on en déduit alors que toutes ces fonctions sont des solutions, et non pas les solutions bien sûr, sont des solutions de l'équation différentielle y' égale à 2y. Maintenant la question qui se pose, comment on résout ce type d'équation La réponse est dans le théorème suivant. Donc euh, premier théorème, soit A un réel, L'ensemble des solutions de l'équation différentielle y prime égale à y est l'ensemble des fonctions. Donc il y a une infinité hein, et l'ensemble des fonctions fk définies sur r par fk de x égale k exponentielle à x où k est un réel. Et comme on a dit euh, dans la troisième question de l'activité 1, comme k appartient à r. Et la fonction dépend de k, donc il y a une infinité de solutions. Donc ces équations-là ont une infinité de solutions qui sont les fonctions fk définies et dérivables bien sûr sur r, telles que fk de x égale à k exponentielle à x. Avant de faire donc une petite application sur ce théorème, on va le démontrer tout d'abord. Alors, on va commencer la démonstration. Bien sûr, le théorème, la démonstration, exige deux sens. On considère tout d'abord un réel A et on considère l'équation différentielle E y' égale à Ay. Au début, qu'est-ce qu'on va faire On va vérifier que toutes les fonctions fk définies par fk de x égale, euh, égale k exponentielle à x vérifient l'équation différentielle. Donc, soit k un réel, les fonctions définis sur R par fk de x égale à k exponentielle à x, sont tous dérivables sur R, et on a f'k de x égale à a k exponentielle à x. Bien sûr, ici, on a utilisé euh, la même formule euh, de la dérivée. Donc, euh, voilà, donc fk de x, par conséquent, égale donc à fk de x. On en déduit alors que les fonctions fk sont tous, sont tous des solutions de E. Maintenant, on va faire la réciproque. À quoi consiste la réciproque On va considérer f une fonction solution de l'équation différentielle U, euh, e, pardon. et on va montrer qu'il existe un réel, et on va montrer qu'il existe un réel k tel que pour toute réel k, f du x égale à k exponentielle à x. Donc ça, c'est le but de la réciproque. C'est le but de la réciproque. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va, Pour ce faire, on va considérer la fonction h définie sur r par h du x égale exponentielle moins ax fois f du x. Si on, arrive à montrer, si on arrive à montrer que h du x égale à constante, alors on peut déduire que f du x égale exponentielle moins ax fois f du x égale à k. On en déduit de ça que f du x égale exponentielle moins x. Pour montrer donc que cette fonction, que tout cela égale un réel k, hein, il suffit de montrer que la dérivée de h égale à 0. Pour cela, on va passer à la dérivée de h. Donc la fonction h est claire, elle est dérivable comme étant le produit de deux fonctions qui sont dérivables sur R. En effet, x qui associe exponentiellement à x, on sait qu'elle est dérivable sur R. Et f de x, elle est dérivable puisque c'est une solution de l'équation E. Donc, euh, la dérivée de h, donc h prime de x égale moins a exponentielle moins ax f de x plus exponentielle moins ax fois f prime de x. Bien sûr, ici, on a utilisé euh, la formule euh, f fois g prime égale f prime g plus f g prime. Voilà. Maintenant, on va essayer de montrer que toute cette quantité est nulle. Qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser le fait que la fonction f est une solution de E. Comme c'est une solution de E, donc f' de x égale nécessairement a fois f de x. On passe donc euh, au calcul. Donc voilà, la fonction f est solution de E, donc f' de x égale à a fois f de x. On aura alors h' de x égale moins a exponentielle moins x f de x plus a exponentielle moins x fois f de x. Cette somme égale à 0. h' est nul. Donc, la fonction h est constante. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire il existe un réel k tel que h du x égale à k. Ou encore, on peut dire h du x, c'est qui C'est exponentiellement à x fois f du x. Donc, exponentiellement à x fois f du x égale à k, ça équivaut à dire que f du x égale k exponentielle à x. Comment on a obtenu ça Normalement, f du x égale à k sur 1 exponentielle moins x et k sur exponentielle moins x ça donne k exponentielle à x. Et bien sûr le théorème découle. Après avoir donc démontré ce théorème, on va faire euh, une petite application sous forme d'une activité. Alors la première question, euh, la première question de cette activité, on va résoudre dans R l'équation différentielle E. 5y' prime moins 6y égale à 0. Et la deuxième question va montrer qu'il existe une unique solution g de e telle que g de 0 égale à 2. Alors pour la première question, bien sûr, on doit tout d'abord hein, penser à chercher une équation différentielle équivalente à notre équation e sous la forme y' prime égale à ay. Le fait de trouver cette nouvelle équation qui est équivalente à notre équation E, on peut donc appliquer notre théorème directement. Puis, pour la deuxième question, on va utiliser le fait que j'ai d'une part solution de cette équation différentielle et d'autre part g de 0 égale à 2 pour qu'on puisse trouver euh, le constant k. On passe à la correction, alors. Alors pour la première question, donc l'équation différentielle 5y'-6y égale à 0, donc il suffit de transporter moins 6y au second membre, puis on multiplie par un cinquième, on aura donc cette équation est équivalente à cette équation différentielle qui est y' prime égale 6 cinquième fois y. C'est exactement la forme euh, de l'équation différentielle y' prime égale à y'. Donc c'est une équation différentielle de ce type avec le a égale 6 cinquièmes. D'après le théorème 1, on sait que cette équation différentielle admet une infinité de solutions, une infinité de solutions qui sont tous de la forme fk de x égale k exponentielle à x. Dans notre cas, en remplaçant le a par 6 cinquième, on aura alors que l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E et l'ensemble des fonctions Fk définies sur R par Fk de X égale à K exponentielle 6 cinquième de X, avec K bien sûr ici appartient à R. Voilà donc pour la première question. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il suffit de rendre notre équation différentielle sous une autre forme connue, c'est-à-dire sous la forme y prime égale à y. Pour la deuxième question maintenant, on va chercher la fonction g qui est d'une part solution de e, et d'autre part, elle vérifie g de 0 égale à 2. Donc, comme g est une solution de E, donc nécessairement, il existe un réel cas tel que g de x égale k exponentielle 6 5e de x, et d'autre part g de 0 égale 2. On obtient alors le système suivant. Ce système est équivalent au système suivant. g de x toujours égale k exponentielle 6 5e de x, et il suffit ici de remplacer le x par 0 et le g de 0 par 2, on aura donc k égale à 2. Ça y est, le k est trouvé, donc il y a une seule valeur de k, par conséquent, il y a une seule fonction g qui vérifie ces deux, euh, ces deux conditions, donc g de x égale à combien Égale à 2 exponentielle 6 cinquièmes de x. De, ce, de cette activité, qu'est-ce qu'on peut conjecturer On peut dire que les équations différentielles y prime égale à ay, avec une condition sur, euh, sur une fonction, on peut trouver une unique solution. Et c'est ça... Le théorème 2, le théorème donc le théorème 2 soit un réel non nul, pour tout réel x0, y0, l'équation différentielle y prime égale à ay admet une unique solution f telle que f de x0 égale à y0. Donc ces équations différentielles-là ont une infinité de solutions. Si on ajoute une condition, la solution sera unique. Cette solution est la fonction f définie sur R par f de x égale y0 exponentielle ax moins x0. Avant de faire une application, on va démontrer rapidement le théorème. Donc pour la démonstration ici, il n'y a pas grand chose à faire. Soit A un réel, non nul. On considère l'équation différentielle ey' égale ay. Bon, soit f maintenant une solution de E qui vérifie f de x0 égale à y0, donc f vérifie deux conditions. D'une part, la fonction f vérifie la condition qu'elle est solution de cette équation différentielle, donc f de x s'écrit sous la forme k exponentielle à x, ou encore on peut dire convenablement qu'il existe un réel k, tel que f de x égale à k exponentielle à x, ça c'est d'une part, et d'autre part, la condition f de x0 égale à y0. Donc on obtient un système. Ce système équivaut f de x égale à k exponentielle à x. Et ici, on fait la même chose que dans l'activité précédente. Il suffit de changer le x par x0 et le f de x0 par y0. On aura donc k exponentielle à x0 égale à y0. Ça équivaut à dire f de x égale k exponentielle à x, d'une part, et d'autre part, le k égale y0 exponentielle moins ax0. Comment on a trouvé ça Donc voilà, le, le k égale normalement y0 sur exponentielle ax0. Et y0 sur a exponentielle x0, ça donne y0 exponentielle moins ax0. Donc on a trouvé une seule valeur de k qui est y0 exponentielle moins ax0. On en alors deux choses. Que la fonction f est unique d'une part, et d'autre part, que la forme de f du x, c'est quoi C'est y0 exponentielle à facteur du x moins x0. Par suite, par la suite, euh, par la suite, donc, euh, un petit instant, voilà, voilà, et voilà, bien. Donc, par la suite, L'unique solution f de e telle que f de x0 égale y0 est la fonction définie sur r par f de x égale y0 exponentielle à facteur de x moins x0. En pratique, donc dès maintenant, si vous voulez chercher la seule solution de l'équation différentielle y' égale à ay avec une condition, on peut passer directement et écrire notre solution unique. Voilà donc euh, comme application sur ce théorème. On va faire cette troisième activité. Alors euh, dans cette activité, on donne la figure suivante. Alors euh, dans ce repère orthonormé, on a représenté la courbe CF d'une fonction définie sur R et solution de l'équation différentielle y' égale moins un demi de y. Qu'est-ce qu'on se propose de faire C'est quoi la question La question est que donner l'expression de f. Donc, on va déterminer l'expression d'une fonction qui vérifie deux conditions. La première condition, c'est que cette, équation, cette fonction pardon, est une solution de cette équation différentielle qui est bien sûr une équation différentielle connue maintenant. C'est une équation différentielle du type y égale à ay. Maintenant, puisque nous demandons de déterminer l'expression de f, donc normalement qu'il y a une condition qui nous permet de trouver euh, euh, l'expression exacte. Donc ici, on va utiliser le fait ici dans le graphique on voit que l'image de ln de 2 par cette fonction égale 4/5. Et on applique directement notre théorème 2. On passe à la correction, donc, rapidement. Euh, voilà la figure. Donc, la fonction f est solution de cette équation différentielle y' prime égale moins 1 demi de y. Donc, euh, d'après le graphique, comme j'ai dit, f de ln de 2 égale 4 5e. Maintenant, l'équation différentielle E est du type y' prime égale aY avec le a égale moins 1 demi et bien sûr, f de ln de 2 égale à 4 cinquièmes. Donc le ln de 2 c'est x0. Et le 4 5e c'est y0. Voilà, donc nous sommes dans le cadre du deuxième théorème. D'après le théorème précédent, la fonction f est définie sur R par f de x égale 4 cinquièmes exponentielle moins 1 demi x moins ln de 2. On peut continuer le calcul rapidement. On est égal dans 4 cinquièmes. Exponentielle moins 1 demi de x fois exponentielle 1 demi de ln de 2. Bien sûr, euh, exponentielle 1 demi ln de 2, ce n'est que exponentielle ln de racine carrée de 2. Et exponentielle ln de racine carrée de 2 égale racine carrée de 2. D'où l'expression finale de f. f de x égale 4 racines de 2 sur 5, exponentielle moins 1 demi de x. Maintenant, alors, on va passer à. Au deuxième paragraphe du chapitre, on va voir un autre type d'équation différentielle. Ce sont les équations différentielles de type y' égale AY plus b, où b est un réel quelconque. Et attention, le a doit être un réel non nul dans notre cas. Alors, on passe au, au théorème directement. Le théorème 3. Bien sûr, le théorème, ici, on va donner... Euh, deux, euh, deux choses dans ce théorème. alors soit a et b deux réels tels que a différent de 0. on va tout d'abord parler de l'ensemble des solutions de cette équation différentielle de ce type d'équation différentielle. puis on va voir que même chose que l'équation différentielle précédente, il y a une unique solution lorsqu'on ajoute une condition. alors l'ensemble des solutions dans r de l'équation différentielle y' prime égale à AY plus B, et l'ensemble des fonctions fk définies sur R par fk de x égale à k exponentielle à x moins b sur A, où k est un réel. Donc, même chose que l'équation différentielle précédente, ici il y a aussi une infinité de solutions qui sont de la forme, donc pour la première équation différentielle, y' prime égale à AY, c'est k exponentielle à x, ici, Uh, y' égale à AY plus B, FK de X égale à K exponentielle à x moins B sur A, où K est un réel. Maintenant, si on ajoute une condition de plus pour tout réel X0, Y0, l'équation différentielle Y' égale à AY plus B admet une unique solution qui vérifie F de X0 égale à Y0. Cette solution, c'est la fonction F définie sur R par F de X égale y0 plus b sur a exponentielle a facteur de x moins x0 moins b sur a. Comme d'habitude, avant de passer à une application, on va démontrer notre théorème. La démonstration est rapide ici. Alors tout d'abord, soit a un réel non nul et b un réel. On considère donc l'équation différentielle y prime égale à ay plus b. Donc on se propose de montrer... Que cette équation différentielle admet une infinité de solutions qui sont les fonctions fk définies sur r par fk de x égale k exponentielle à x moins b sur a. On ne va pas procéder comme, la, comme le premier théorème. On va utiliser maintenant l'équation diffé différentielle précédente. Qu'est-ce qu'on remarque On remarque que l'équation E est équivalente à l'équation différentielle E1 suivante. Comment on a obtenu ça Donc c'est simple ici. La dérivée de y plus b sur a, et attention, on a bien dit que notre inconnu y, c'est une fonction. Donc, mais b sur a, c'est un réel, c'est constant. Donc la dérivée de y plus b sur a, ça donne y'. Prime. Et ici, lorsqu'on développe, on aura y plus b. Et voilà, donc, cette équation E1 est équivalente à notre équation E. Si on pose maintenant y plus b sur a une... Pardon, ici, je vais effacer avant d'écrire. Sinon, les écritures, on ne voit plus rien. Voilà. Voilà. Donc, si on pose, j'ai dit, si on pose y plus b sur a égale grand y, donc c'est une fonction grand Y, donc Y plus B sur A prime, c'est-à-dire grand Y prime égale A fois grand Y. Et cette équation maintenant différentielle, c'est une équation connue pour nous. On sait l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Donc, que peut-on déduire de ça On peut déduire que, euh, je vais effacer encore une fois, là, voilà, pour voir l'écriture. Voilà. voilà. Donc, on en déduit que f est une solution de l'équation E. F est une solution de l'équation E, si seulement si f plus b sur a est solution de l'équation E1. Donc, il suffit d'appliquer le, le résultat du premier théorème. On aura donc que l'équation E admet une infinité de solutions qui sont les fonctions fk. Défini sur R par fk de x égale à k exponentielle à x moins b sur a, où k est un réel. Ça, en ce qui concerne la, la première partie euh, du théorème. Maintenant, la deuxième partie, soit f une solution de E, telle que f de x0 égale à y0, donc ça y est, on a une condition, cette condition nous permet de trouver la valeur de k, et par conséquent, f sera unique. Donc, euh, d'une part, f est une solution de l'équation E, donc f du x égale à k exponentielle à x moins b sur a. Et bien sûr, on sait que f du x0 égale à y0. Ce système est équivaut au système suivant, f du x égale à k exponentielle à x moins b sur a. Et on fait la même chose, on remplace le x par x0 et on place le y0 par f du x0. On aura k exponentiel ax0 moins b sur a égale à y0. Ce système est équivalent à f de x égale à k exponentielle à x moins b sur a. Et on calcule le k ici, k égale donc y0 plus b sur a exponentielle moins ax0. Ça y on a trouvé le k et le théorème découle. Ça équivaut à dire que f de x égale y0 plus b sur a exponentielle a facteur de x moins x0 moins b sur a. Et par suite, l'unique solution de l'équation différentielle U, e, e, pardon, qui est de la forme y' égale à a, y plus b, tel que f de x0 égale à y0, est la fonction définie sur R par f de x égale y0 plus b sur a, exponentielle à facteur de x moins x0 plus b sur a. Comme application, alors, sur euh, ce théorème, on donne. Euh, euh, L'activité 4, pardon, donner la solution f de l'équation différentielle E, racine de 2y' prime moins 2y égale à 1, qui vérifie f de 0 égale moins 1. Alors ici, on va, faire, euh, on va essayer tout d'abord de montrer que cette équation différentielle E est équivalente. Maintenant, il faut penser à deux choses. Voilà, puisqu'on a maintenant deux équations différentielles. Soit on va essayer de montrer que cette équation différentielle, on va essayer de montrer que cette équation différentielle e est équivalente à une équation différentielle du type y égale à Ay. Soit on essaie de montrer que notre équation différentielle est équivalente à une équation différentielle du type y égale à Ay plus p. Puisque ces deux équations différentielles maintenant, on a des théorèmes qui nous permettent de trouver l'ensemble des solutions. Et bien sûr, avec cette condition initiale, on sait très bien que dans l'une de ces, dans n'importe quelle équation de ces deux équations différentielles, on a un théorème qui nous permet de trouver notre solution directement. On passe alors à la, à la, à la, au corrigé de l'activité. Donc l'équation différentielle E racine de 2y' moins 2y égale à 1 est équivalente à y prime égale racine de 2y plus racine de 2 sur 2. Donc c'est simple ici. Il suffit de transporter le moins 2y au second membre. Puis on multiplie par 1 sur racine de 2. On aura donc racine de 2y plus racine de 2 sur 2. C'est une équation différentielle donc, du type y prime égale à ay plus b. Voilà le A. Et voilà le B. Ben, c'est bien donc nous sommes dans le cadre du deuxième théorème. Et puisque, euh, du troisième théorème plutôt, et puisque on a la condition f de 0 égale moins 1, donc ça y est, on va appliquer notre théorème. Il en résulte que l'équation différentielle E. Vérifiant f de 0 égale moins 1, admet une unique solution f, qui est la fonction f de x égale moins 1 demi exponentielle racine de 2x moins 1 demi. Voilà donc, c'est la fin de cette première partie. Mais avant de vous quitter, on va faire un exercice. C'est l'exercice 24, page 204 de votre manuel, bien sûr, tome 1. Voilà donc euh, l'énoncé de l'exercice. On considère donc euh, les deux équations différentielles, y' égale 2y et y' égale à y. On va résoudre chacune de ces équations différentielles, tout d'abord. Ça, c'est dans la première question. Donc voilà la première question. Résoudre chacune de ces équations différentielles. Deuxième question. Le graphique ci-dessous représente une partie de la courbe C d'une fonction f et de ses tangentes dans un repère orthonormé. Cette fonction f est définie par f de x égale f1 de x moins f2 de x, où f1 est une solution de l'équation 1 et f2 est une solution de l'équation 2. Alors qu'est-ce qu'il nous demande Il nous demande petit a. De, à partir d'une lecture graphique, on va donner f de 0 et f' de 0. Puis, petit b, on va déterminer les fonctions f1 et f2 pour déduire que f de x égale 2 exponentielle de x moins exponentielle x. Puis, il nous demande de déterminer la limite de f en moins l'infini, la limite de f en plus l'infini. Enfin, pour la deuxième question, on va déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses. Dans la troisième question, on considère un réel t inférieur strictement à moins ln de 2. Petit a, on va exprimer à l'aide de t l'air a de t du domaine du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives x égale à t et x égale moins ln de 2. Et enfin, on va montrer que la limite de cette R lorsque t tend vers moins l'infini égale l'intégrale sur moins ln de 2, 0 de f de t dt, et on va interpréter graphiquement ce résultat. Alors, on va commencer euh, à traiter cet exercice question par question. Alors, pour euh, la première question... Les deux équations différentielles, voilà, on a la première équation différentielle, c'est y' égale à 2y. La deuxième équation différentielle, c'est y' égale à y. Donc, les deux équations différentielles sont du même type, sont du type y' égale à y, à ay, pardon, avec le a égale à 2 pour la première équation, voilà, et a égale à 1 pour la deuxième équation. Il suffit donc d'appliquer le premier théorème du chapitre. On en déduit donc que l'ensemble des solutions dans R de l'équation différentielle 1 qui était y' égale 2y et l'ensemble des fonctions hk définies sur R par hk de x égale à k exponentielle 2x où k est un réel. Et pour la deuxième équation, même chose, l'ensemble des solutions dans R de l'équation différentielle 2 qui est y prime égale à y et l'ensemble des fonctions gk prime, et attention, on ne doit pas utiliser le même k. Donc si on utilise ici k, on utilise ici k prime. Euh, sinon, s'il y a une, autre, une troisième équation différentielle, en pose k seconde. Si on veut plus utiliser de k, on peut utiliser n, p et c. De toutes les façons, ce n'est pas le même ce n'est pas le même constant. Alors donc, euh, j'ai bien dit que l'ensemble des solutions dans R de l'équation différentielle 2 est l'ensemble des fonctions GK' définies sur R par GK' de X égale prime exponentielle x où K' est un réel. Donc ça, pour la première question, voilà, on a résolu euh, les, deux, les, deux, les deux équations, les deux équations différentielles. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc euh, on va chercher les deux fonctions f1 et f2 qui sont euh, telles que plutôt f1 est solution de la première équation et f2 est une solution de la deuxième équation différentielle, telle que la fonction f définie par f de x égale à f1 de x moins f2 de x euh, 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 soit représentée dans la figure. Dans le graphique suivant. Alors, on va tout d'abord euh, déterminer f de 0 et f prime de 0. Ça, c'est la première question de la. C'est petit a de la, de la deuxième question plutôt. Alors, pour ce faire, donc, on va faire une petite lecture graphique. Pour f de 0, donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, donc euh, l'image de 0 par la fonction, c'est 1. Donc, euh, il suffit de faire euh, donc, euh, une petite lecture graphique. Donc, euh, f de 0 égal à 1, c'est clair, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour euh, le f' de 0, bien sûr, nous savons que f' de 0, ce n'est que la pente de la tangente AC au point d'abscisse 0. Donc la pente de cette tangente en ce point. Alors la pente de cette tangente, donc soit on prend deux points, voilà ce point de coordonnées 0, 1 et euh, ce point de coordonnées 1, 4, et on calcule euh, la pente de cette droite, soit on peut lire les composantes de, de ce vecteur. C'est un vecteur directeur de composantes 1, euh, 1, 3, voilà. Et dans les deux cas, on en déduit que euh, f' de 0 égale à 3. Maintenant, pour déterminer f1, f2, puis déduire que f de x égale 2 exponentielle de x moins exponentielle x, on va donc utiliser ces deux conditions. Pour ce faire, donc, euh, on va tout d'abord euh, calculer la dérivée de f. Donc, euh, D'une part, on sait que f du x égale f1 du x moins f2 de x, où f1 est une solution de la première équation et f2 est une solution de la deuxième équation. Et l'on résulte d'après la première question que, f de x, que f1 du x égale k exponentielle 2x, puisque c'est une solution de la première équation différentielle et f2 de x égale k prime exponentielle moins 2x euh, pardon, k exponentielle x puisque f2 est une solution de l'équation différentielle 2. On va passer à calculer la dérivée de f. Pourquoi on va calculer la dérivée de f Parce qu'il y a deux conditions ici. La première condition f de 0 égale à 1 et la deuxième condition f prime de, euh, de 0 égale à 3 pour trouver, de f, pour trouver f, il suffit de trouver le k et le k'. Pour cela, on doit utiliser ces deux conditions. Donc la fonction f est dérivable sur r comme étant somme de deux fonctions dérivables sur r. La dérivée de f égale donc 2k exponentielle de x moins k' exponentielle x. On va utiliser ces deux conditions. Donc on a les deux conditions. On sait très bien que d'une part, f de 0 égale à 1, d'autre part, f prime de 0 égale à 3. Si on remplace le x par 0, on aura donc euh, f de 0. On remplace le x par 0 ici, pardon. Hein. On remplace f de 0 ici, et on remplace, et, et, et on va utiliser f prime de 0 égale à 3. On va utiliser f prime de x égale à 2 k exponentielle de x. Donc, en remplaçant x par 0 dans les deux. Euh, dans, dans dans f du x et dans f prime du x, on aura donc on obtient k moins k prime à 1 et 2k moins k prime 3. La première est obtenue par le fait que f de 0 égale à 1 et la deuxième est obtenue du fait que f prime de 0 à 3. Ça y est, donc c'est un système de deux équations à deux inconnues, simple à résoudre. Le calcul donne k égale à 2 et k' égale à 1. Comme k égale à 2 et k' égale à 1, on en déduit alors que pour toute réelle x, f1 de x égale, pour toute réelle x, f1 de x égale à 2 exponentielle de x et f2 de x égale moins exponentielle x, ou encore, ou bien par conséquent, f de x, donc, puisque f de x est égal à f1 de x moins f2 de x, f de x égale donc 2 exponentielle 2x moins exponentielle x. Maintenant, on va passer à, au petit c. Dans petit c, donc, il nous demande de déterminer la limite de f en moins l'infini et la limite de f en plus l'infini. Alors, on va commencer par la, par la première limite. Alors, la limite de f du x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de 2 exponentielle 2x moins exponentielle x. On sait très bien que limite de exponentielle 2x en moins l'infini, ça donne 0. Et exponentielle x en moins l'infini, ça donne 0 aussi. Donc, cette limite égale 0. Pour la limite de f du x en plus l'infini, on va effacer tout d'abord... Euh, voilà. Voilà, ça tend vers 0, comme ça. Bien. Maintenant, on va calculer la limite de f du x en plus l'infini. C'est la limite de 2 exponentielle 2x moins exponentielle x. Or, 2 exponentielle 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Exponentielle x en plus l'infini sur c'est plus l'infini. On aura plus l'infini moins l'infini. On ne peut rien conclure. Donc, on doit changer un petit peu la forme de la fonction. Et si c'est simple, il suffit de mettre exponentielle x en facteur. On aura donc la limite de exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1. Exponentielle x s'attend vers plus l'infini en plus l'infini. Et 2 euh, exponentielle x moins 1 s'attend aussi vers plus l'infini en plus l'infini. On aura donc la limite égale plus l'infini. Voilà donc il n'y a pas grand chose à faire pour les limites. C'est simple ici. Petit d maintenant on va déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses. Alors, l'abscisse du point d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses, c'est le réel x qui est solution de l'équation f de x égale à 0, puisque la courbe a pour équation y égale à f de x et l'axe des abscisses a pour équation y égale à 0. Donc, l'abscisse du point d'intersection, ce n'est que la solution de l'équation f du x égale à 0, c'est-à-dire ça revient à résoudre cette équation. Cette équation est équivalente à 2 exponentielle 2x moins exponentielle x égale à 0. Ça équivaut à dire qu'on va mettre exponentielle x en facteur, donc on aura exponentielle x facteur de 2 exponentielle x moins 1 égale à 0. Bien sûr, exponentielle x différent de 0, donc ça équivaut à dire... Euh, ici, c'est comme si un 7, ce n'est pas 7, ça c'est différent. Hein? Voilà. Alors, euh, exponentielle x est différent de 0. Donc ça équivaut à dire 2 exponentielle x moins 1 égale à 0, qui est équivaut à dire à exponentielle x égale à 1 demi, qui équivaut à dire que x égale moins ln de 2. Voilà donc pour la deuxième question. Pour la troisième question maintenant, soit T un réel inférieur strictement à moins ln de 2. N'oublions pas que ce moins ln de 2, ce n'est que l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, revenons à notre graphique. Celle-là, c'est la courbe de F. Le point d'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses, c'est ce point. On en déduit donc que ici, c'est moins ln de 2. Bien. T, un réel inférieur strictement à moins ln de 2. Donc t, c'est un réel quelconque. On peut prendre t, un réel quelconque, inférieur strictement à moins ln de 2. Alors tout d'abord, il nous demande d'exprimer de, à l'aide de t... L'air a du T de la partie du plan limitée par la courbe de C, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives x égale à t et x égale moins ln de 2. Donc, lorsqu'on prend T ici, l'air demandé, c'est cette partie. Hein, c'est cette partie colorée en rouge. C'est juste entre la courbe et l'axe des abscisses. Si on change de T, l'air change, bien sûr. Alors, il nous demande d'exprimer cet R à l'aide de T. On applique la, le théorème des R, la définition plutôt. Donc, A de T, c'est l'intégrale sur T moins ln de 2 de la valeur absolue de f de x dx. Attention à ne pas oublier la valeur absolue de f de x et non pas f de x directement. Et dans notre cas ici, la fonction f est négative. Pourquoi elle est négative Parce que. Sur l'intervalle moins l'infini moins ln de 2, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, donc f de x est négatif. Par conséquent, la valeur absolue de f de x égale moins f de x. Donc euh, la fonction f étant négative sur l'intervalle moins l'infini moins ln de 2, elle en résulte que a de t égale l'intégrale sur t moins ln de 2 de moins f de x dx. Pour éliminer ce moins 1, pour ne pas l'oublier, on change les bornes, donc on aura l'intégrale de moins 1 de 2t, et on change f de x par sa valeur, 2 exponentielle 2 x moins exponentielle x dx. Pour calculer cette intégrale, donc, il suffit de trouver une primitive de 2 exponentielle 2 x moins exponentielle x, donc euh, c'est simple ici, des primitives presque usuelles. 2 exponentielle 2x, on sait très bien que la primitive de u' exponentielle u, une primitive c'est exponentielle u, et une primitive de exponentielle x c'est exponentielle x. Ici, donc voilà, c'est u', ça c'est comme si ça c'est u, donc u' exponentielle u, 2 deux exponentielle 2x, deux une primitive c'est exponentielle 2x, moins exponentielle x, une primitive c'est exponentielle x. Donc on aura. Exponentielle 2x moins exponentielle x pris entre moins ln de 2 et t. On change maintenant le x par t moins, on change le x par moins ln de 2. On aura donc exponentielle de t moins exponentielle t moins exponentielle moins 2 ln de 2 plus exponentielle moins ln de 2. Alors euh, le calcul donc donne exponentielle de t moins exponentielle t plus un quart. Donc comment on a obtenu le 1 quart Exponentielle moins ln de 2, c'est 1 demi, hein? puisque avant de 1 si vous voulez, j'explique encore, c'est exponentielle ln de 1 ,5. et exponentielle ln de 1 c'est 1 demi, puisque moins ln de a, c'est ln de 1 sur a. Et ici, pour ce exponentiel moins 2 ln de 2, c'est exponentielle ln de 2 puissance moins 2, c'est-à-dire exponentielle de ln de 1 quart. Donc ça donne 1 quart. Et bien sûr, donc on aura moins 1 quart plus 1 demi, ça donne 1 quart, unité d'air, bien sûr, puisque c'est une R. Voilà, donc on a bien calculé, plutôt on n'a pas calculé, on a exprimé à de T en fonction de t. Donc cette R, lorsque euh, t varie dans l'intervalle moins l'infini moins ln de 2 est égal à exponentielle de t moins exponentielle t plus un quart unité d'air. Si on veut par exemple calculer l'air de la partie du plan limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et le droit d'équation respectif par exemple t égale moins 5 et t égale moins ln de 2, donc il suffit de changer ici le t par moins 5, on trouve l'air demandé. Pour finir donc cet exercice, on va montrer que la limite de A de T lorsque t tend vers moins l'infini égale l'intégrale sur moins ln de 2, 0 f de t dt. Donc pour ce faire, on va calculer les deux. On va calculer la limite de a de t lorsque t tend vers moins l'infini. Puis on va calculer cette intégrale et on doit trouver euh, la même chose. Alors pour la limite, donc euh, on va commencer par la limite, et avant de passer à la limite... On va effacer un petit peu pour pour puisse voir. Donc voilà ici. Ben je peux l'effacer, c'est simple. Il suffit de pour les calculs. Voilà. Alors d'une part la limite de a de t lorsque t tend vers moins l'infini égale la limite de exponentielle de t moins exponentielle t plus un quart. Ben, limite de exponentielle moins de t, euh, la, la limite de exponentielle de t lorsque t tend vers moins l'infini, c'est 0. Il n'y a pas grand chose à faire. Ici, même chose, c'est 0. Donc la limite égale 1 quart. On va calculer cette R euh, On va calculer pardon, cette intégrale. L'intégrale sur moins ln de 2, 0 de f de t dt. Donc euh, euh, c'est l'intégrale sur moins ln de 2. 0 de 2 exponentielle. On va utiliser l'effaceur une autre fois. Voilà. Donc ça, ça tend vers 0. Hein. Alors, on a bien parlé d'une primitive de la fonction f dans la question précédente. Donc ça donne exponentielle de x moins exponentielle x pris entre moins ln de 2 et 0, on va changer le x par 0, moins, on change le x par moins ln de 2, donc le calcul donne moins exponentielle moins 2 ln de 2, donc parce que en 0 ça donne, lorsqu'on change le x par 0, on aura 1 moins 1 c'est 0, puis moins exponentielle moins 2 ln de 2 plus exponentielle moins ln de 2, on fait le calcul comme dans, cette, dans la, la question petit a, on aura un quart. Donc voilà, la limite de l'air, a de t, est égale à cette intégrale. Mais c'est quoi cette intégrale, en fait La fonction f étant continue et positive sur l'intervalle 0, ln de 2, voilà, euh, sur l'intervalle, pardon, moins ln de 2, 0. Donc la fonction f est continue et positive. Donc cette intégrale, ce n'est que... L'aire de la partie du plan limitée par la courbe de F, l'axe des abscisses. Je vais changer de couleur, de, euh, la couleur pour qu'on qu puisse voir. Euh, voilà, je prends par exemple euh, le vert. Voilà, c'est bon. Donc, euh, c'est l'aire de la partie du plan limitée, j'ai bien dit, limitée par la courbe de F, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives. x égale ln de 2 et x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Voilà voilà l'air. Donc, qu'est-ce qu'on a montré ici On a montré que la limite lorsque t tend vers 0 de cet air en rouge est égale toujours à l'air de cette partie du plan limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives, x égale moins ln de 2 et x égale à 0. Voilà donc, on en déduit donc que la limite lorsque t est envers moi l'infini de a de t, ce n'est que l'aire de la partie du plan limitée par la courbe c, les axes du repère et la droite d'équation. Pardon, ici, ce n'est pas y, c'est x, x égale moins ln de 2. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette, de cette séance. J'espère que le contenu de cette séance vous aidera à bien préparer ce thème. Bonne continuation et bonne chance à l'examen. Merci.